Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable journée parfumée. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo. J'en avais déjà fait, je crois, deux. Et je reviens sur une vidéo un peu spéciale, Jean-Paul Gaultier, parce que du coup, sur mes réseaux TikTok, vous avez pu voir que Jean-Paul Gaultier m'a fait un petit courrier et j'ai reçu du coup les nouveaux échantillons de scandale absolu et je vais vous parler de ceci dans cette vidéo. Mais aussi, si vous vous rappelez, il y a 8 mois de ça, je vous parlais du programme de fidélité de Jean-Paul Gaultier. J'avais commandé un colis et du coup, il y avait aussi à l'intérieur que je devais vous présenter le kit d'échantillons et du coup, je vais vous donner mon avis sur ce kit d'échantillons. Voilà. Donc, sans plus attendre, nous allons tester du coup les deux échantillons pour scandale absolu pour lui et pour elle de Jean-Paul Gaultier. Donc du coup, le courrier de Jean-Paul Gaultier était du coup sponsorisé par Sephora. Il fallait juste répondre à un lien sur les réseaux sociaux et du coup pour recevoir la fameuse enveloppe dorée. Donc, sans grande surprise, le scandale absolu pour lui est exactement le scandale pour homme, avec bien sûr le capuchon royal, hein, la couronne. Du coup, il se présente comme ça, l'échantillon. Voilà, donc il n'y a pas de grande surprise sur le flaconnage, à part qu'il est doré, hein. Du coup, voilà. Alors, j'ai préparé normalement des mouillettes, ils sont là. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire en fait sur ce parfum? Donc là, pour lui, c'est un parfum intense, c'est un boisé gourmand. Et je ne vous cache pas qu'il incarne la sensuelle, le côté sensuel et provocateur pour ne pas changer pour les hommes de chez Jean-Paul Gaultier, du coup, depuis qu'ils font scandale. Donc là, nous avons le côté vraiment boisé, gourmand. Honnêtement, vous allez retrouver des notes de bois de santal, de la mirabelle et un côté de notes de châtaigne, un côté chaud un peu, voilà, la châtaigne grillée, on va dire. Donc voilà, c'est un parfum vraiment sensuel. J'ai l'impression aussi que c'est du bling-bling du matu-fu. Donc ça, c'est pour le côté provocateur. Je pense que quand vous allez vous en imprégner, on va vous voir, ou du moins vous sentir. Et c'est le but d'un parfum. C'est la signature même de Jean-Paul Gaultier. Après, honnêtement, le parfum est à 91,40 € et je trouve que pour la composition, c'est quand même du déjà vu chez Jean-Paul Gaultier. C'est pas, voilà. Moi, je me rappelle que le parfum qui m'avait fait vraiment waouh et vraiment envie, c'était bien sûr Le Beau de Jean-Paul Gaultier. Et du coup, voilà. Donc, c'est. Voilà. Moi, honnêtement, je vais pas. Je vais pas, je pense pas l'acheter. Honnêtement, je vais être clair avec vous, je pense pas l'acheter. L'échantillon me convient. Donc, voilà. On a une petite dose là de 2 ml. C'est suffisant. Et. Voilà, je ne mettrai pas 91 € dans ce parfum pour être tout à fait honnête, même si c'est une très bonne, voilà, une très belle composition. Voilà, ça c'est mon avis et mon avis tranché sur ce absolu de Jean-Paul Gaultier. Ensuite, nous avions le scandale absolu femme. Donc pour ne pas changer sur le packaging, on retrouve bien sûr les jambes en haut, le côté doré de la signature Jean-Paul Gaultier. Et nous allons du coup tester ce parfum, toujours sur mouillette. Je le découvre avec moi. J'avais fait un petit TikTok dessus. Donc voilà. Et là, nous avons du coup un chypré ambré. Il est moins cher que celui de l'homme. Il a 68,59 € et il incarne le côté audacieux. Nous avons en note du bois de santal, de la figue. Et j'aime bien parce qu'à l'intérieur, il mettait une figue envoûtante. Et je suis en train de, en fait, de réaliser, en fait, d'imaginer la figue en elle-même et comment elle peut être envoûtante. C'est le petit questionnement que je me suis fait quand j'ai fait le script de cette vidéo. Mais bon. Et nous avons de l'hypnotique de tubéreuse. En fait, c'est un parfum qui est assez posé, chypré ambré, du coup, assez cocooning.
Franchement, c'est un parfum que vraiment je pourrais acheter, hein, parce que pour moi, le parfum n'est pas genré. Pour 68 € ça se donne. C'est un parfum qui est, voilà, qui se laisse donner. En fait, voilà, je préfère beaucoup plus la fragrance femme que la fragrance homme, pour être clair avec vous. Et je vous rappelle que je m'étais laissé aussi séduire par la belle de Jean-Paul Gaultier. Du coup, c'était celle-ci avec, bien sûr, ce côté rose. Et voilà, j'arrive même pas à expliquer le parfum tellement il est bien. Et du coup, parfois, je le mets et ça fonctionne très bien. Donc, honnêtement, comparé à Absolue Lui, elle, par rapport à rapport qualité-prix et pour ce qui en est en fragrance, je serais plus tenté à acheter la fragrance femme que la fragrance homme. Et ça, c'est mon avis et mon avis seulement. Je vous avais parlé du coup du site Jean-Paul Gaultier et du coup de commander vos parfums sur le site par rapport au programme fidélité. Il y avait des échantillons, il y avait une miniature et il y avait un tote bag. C'était super. Le petit point noir, je vous rappelais bien sûr que c'était les délais de livraison qui n'étaient pas respectés de par la société de transport. Mais ça vaut peut-être le coup. À l'intérieur de ce colis, il y avait bien sûr le kit d'échantillonnage de Jean-Paul Gaultier, hein. Et là, j'avais laissé tenter par les fragrances hommes. Donc à l'intérieur, vous avez des tubes de 4 millilitres. 4 millilitres, c'est vite fait. Honnêtement, 4 euros l'échantillon, c'est pas donné, hein. Et voilà. Donc, il incarne bien sûr l'image de Jean-Paul Gaultier, donc toujours quelque chose de plus ou moins travaillé, avec un aspect de couleur et bien sûr la marque à l'intérieur. Et des allumettes, ça me fait penser bien sûr à une boîte d'allumettes, d'échantillons de cigarettes, enfin bref, selon que vous voulez. Le seul bémol de ce kit d'échantillonnage, c'est que ce sont des échantillons où que vous mettez sur le doigt et vous mettez là. Honnêtement, au risque de le boucher, ça se renverse. Et c'est plus ou moins fragile les tubes d'essai. Donc voilà, vraiment à manipuler avec une grande précision et ne pas être très brutal. À l'intérieur, il n'y a pas de grand secret. Vous avez l'échantillon là à l'intérieur et vous avez aussi le mal eau de toilette que j'ai en petit. Vous aviez du coup le différent, hein, tout ce qui aurait pu sortir de Jean-Paul Gaultier sur les petits. Je vous laisse du coup aller regarder sur le site de Jean-Paul Gaultier. Vous verrez tout. Ce que je pouvais dire du coup sur ce kit d'échantillonnage, il est excellent pour les collectionneurs, pour les gens qui ne veulent pas forcément aussi investir énormément sur le parfum. Voilà, des grands échantillons de 4 millilitres pour essayer sur le long terme et pour se dire bah, peut-être je vais me donner un avis, peut-être que l'avis que j'ai aujourd'hui sur l'absolu homme va évoluer dans son temps et je voudrais peut-être l'acheter après. Aujourd'hui, mon avis est très clair que c'est l'absolue femme qui me séduit plus par rapport qualité-prix et par rapport à la senteur et la composition qu'elle en est. Donc, encore une fois, favorisez les échantillons, testez sur le long terme vos parfums avant de l'adopter, c'est très important. Parce que je vous rappelle que votre parfum réveille aussi l'humeur de votre journée et vous accompagne tout au long d'une journée réussite et très parfumée. Je vous fais de très, très, très clins d'œil parfumés. Et surtout, je voulais remercier à toute la communauté qui m'a rejoint. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Et toi, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche des notifications et à me laisser un commentaire si tu as déjà testé la gamme absolue de Jean-Paul Gaultier. Voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine parfumée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.